Et rebonjour et re-bienvenue, je suis encore Sansou et je suis accompagné de Siwo. Bonjour encore. Et on revient direct putain sur un roller up smash hein. Donc on a pas commenté le premier match parce que il n'y avait pas de co-caster et c'est un peu embêtant de co-cast. Donc le match-up Inkling Falco, qu'est-ce que tu en penses? Je pense vraiment que c'est Even. Even? Je pense clairement que c'est Even parce que. Alors je vais devoir encore partir. Oh là là. Super. Au revoir. Ah malheureusement, on doit. Bon je vais essayer de continuer quand même sur le cast. Poser le casque. Et attention, on va le poser là. C'est. Voilà. Donc. Ouais. En gros. Je pense que ouais, comme il a dit, surtout le matchup est even, on a des deux côtés des phases d'avantage de malaise, des combos qui peuvent mettre des pourcents et des kick-offs. On a beaucoup de confirmes par contre chez Falco, mais Inkling qui a sa confirme très constante, le Bouya, et on voit bah, il doit être très Bouya pour ça actuellement. Là on a Hugo qui. Oh là là, le trackdown de fer, tonnerre, waouh, magnifique. Mais ouais, donc on a juste là, je pense que, ouais, Bouya, et oui en effet, voilà, Bouya à 105%, c'est ça. Et ouais, donc, on en recevant la stock situation, et les stocks peuvent partir comme ça, d'un claquement de doigts, une seconde à l'autre, avec ces deux persos. Voilà, c'est intéressant. Pour faire, pour mettre off stage, on va essayer de tenter de. Ouh, Ouh, la tech qui va cette fois-ci sauver Hugo. Là. C'était une SD. Le Fire Eagle, je sais pas comment on appelle ça, coup, ça l'a bah, ça a sauvé. Pour détecter pour tech. Oh le upper passe au dash pour punir l'interception. Rapid jab qui va connect. Tiens. On va remonter haut pour pas se prendre le smash et ça va être un. Ouh pas encore. Pas plus de smash après le fer. On a Dia qui va être un petit peu. Oh. La Dia qui n'était pas. Oh là le downtilt pour cash. Et ça va le fer va prendre le side B. Magnifique. De la part de Hugo. Donc pour le quarter final.